Je vais peut-être faire un truc un peu plus gros. Ouais. Celui-là de là. Non, encore. Non, non, mais là, je vais pas vite parce que c'est le premier. Mais il faut pas trop aller sur les bords. Ouais. Faut mieux rester au centre. Non, mais. Alors, je peux. Oui, allez-y. Odile, ça va? Oui. C'est plutôt. On reste au centre. Il faut préparer la deuxième seulement. Voilà. Et on fait des choses comme ça. Donc, et on recouvre. Et on recouvre. De manière. Alors. Il en reste encore, hein. Ouais. Il faut que la garniture, elle sorte. Donc là, par exemple, j'en ai pas mis assez. Il faut qu'elle affleure. Ah là là, c'est pas mal. Voilà, pour que ça qu'elle déborde, mais pas trop. Faut pas trop appuyer. Voilà. Et là, c'est pas mal. Après, on les met au frais ? Normalement, après, on les met au frais. Pour qu'ils prennent. Le lendemain, ouais, il faut les manger le lendemain. Là, du coup, faut taper ? Ouais, oui. Je fais partout ça, c'est sûr. C'est bon ? Voilà. Je regarde la confiture ou pas ? Ouais, on va faire la même chose. Oui, mais je la regarde, mais c'est pas la question. Dans la poche à dos, ici ? Bah, c'est bon, vous voyez. Je suis droite, il est pas libre. À quelle heure vous avez mis les roses ? Ouais, c'est suffisant, hein, les roses. Hein. Ah non, ouais, ah non, de droite, de droite. Attends, je vais voilà. Réfrigérateur. Ça fait 10 minutes. Voilà, comme ça, on les met. Du rose, vous en avez encore ? Oui. Pardon. Ah, il y en a quelques-uns qui ont... Faut les mettre ? Ceux du côté, ils étaient, pas... Oui, il faut les mettre. Pour la grille, je crois... Donc, on va bien c'est ça? Ah oui. Et la fin, non. Ah oui, il y a plein qui se sont très contractés, je pense, déjà. Alors, démarrer. Voilà. Bon, ils sont clairs, hein? Oui. Bon, en fait, c'est dommage de... Ah oui, ça craque les Voilà. Et c'est dû à quoi le craquelage ? Aucune idée. Une paille dans la pâte. Elle est où là ? Oh, ils sont là les œufs. Oh, mais voilà, je me disais, c'est bizarre, je vais rester des œufs. Elle est où la framboise ? Là. Elle est là ? Ah, elle est sortie. Bah, je viens de la sortir, oui, parce que c'est vrai que la sortir. Belle confiture à framboise, faite maison sur place. Allez, les framboises du jardin. Non. Non. C'est pas les framboises du jardin. C'est chez Picard. Je sais pas. Ouais, ouais, c'est de chez Picard. C'est du cheval alors. Des bio françaises de chez Picard. Ça, c'est ce qu'on a appelé la ligne. Est-ce que la ligne... Les deux lignes. Une plaque, alors, si on va mettre ça. Tu veux une plaque, hein? Elles sont chaudes, non? Je sais, les moins chaudes. J'ai un peu moche d'un bon affaire, mais bon. Voilà, exactement. Je peux essayer ? Oui, bien sûr. On va aller en bas. C'est fini ? Ouais, ça y est, je ne suis pas allée en bas. Je me sens que c'est presque. On fait un petit trou, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Ah, oula. Je prends de l'assurance dans le claquage. Oh là là, les deux autres là, ils sont... C'est bien comme quantité, ça va ? Deux minutes. Est-ce qu'il y a un fond ? Je ne crois pas. Il faut les mettre sur ça, du coup, avec la... Il en reste beaucoup, oui, les noirs. Ah oui, il en reste un...
Odile, il faut les mettre sur ça d'abord, les plaques noires. Les plaques, il faut les mettre là-dessus. Ouais. Merci. Donc l'objectif c'est de ne pas aller trop au bord pour pas que ça déborde. Au mieux mettre un gros tas au centre. Ouais. Et puis comme ça on peut régler en appuyant quand on met le petit verre le débordement. Je vais faire. La prochaine tournée, il y en a plus là. C'était juste le torchon. Ah, alors là il y en a carrément dur. On ne peut pas craquer. Ouais, je pense qu'on en met un peu plus en dur. Trop fiable. C'est pas inconsommable finalement. Non mais on ne peut pas le comme tu veux. Ouais. Je pense qu'on en met un peu plus. Ça goûte. Ah, on dirait ces trucs blancs qu'on achète là. C'est la meringue. Là, c'est la meringue toute bête, en fait. Là. Alors, les roses, ça veut dire qu'on en prend rien. Je suis un TB. Non, elle était déjà dehors. Alors, les roses, on peut en mettre deux. Oui, tu peux les mettre. Allez, encore une. C'est pour vous, parce que là, il doit être l'heure. Là. Donc, si vous n'êtes pas trop pressé. Aussi, vous pouvez être pressé. Nous, on n'est pas pressé, vous pouvez y aller là. Non, non, il n'y a pas de problème. Vous allez arriver en retard au travail. Quoi. Mais oui, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Bon, après, une heure et demie pour faire des macarons, franchement. Ah, c'est un défi. Hein. C'est un sacré défi. Hein. Ah ouais, enfin, parce que déjà, deux heures, c'est juste. Mais alors, quelque part. Oui, dans le placard, normalement. Une heure et demie pour les faire et trois jours pour les manger. Comment ? Et trois jours pour les manger. Ah, c'est plutôt l'inverse en général. Alors, on met vraiment longtemps à les faire et on les mange en deux. Il faut qu'ils reposent, là. Ah oui, il faut qu'ils reposent, mais bon, des fois, ils n'ont pas le temps de reposer. Moi, je veux bien essayer. Vas-y. Après, moi, j'en fais un petit peu aussi. Mais je ne fais plus du tout bien. Ouais. Vas-y, moi, je vais essayer. Je vais m'en recouper, là, déjà. Vaut mieux plus petit que trop. Faut pas mettre cela à la place. Si. Le gosier en pente. Comment vous allez faire pour les emmener? Parce qu'on fait avant. Je suis pas très logique dans ma destination. T'as rempli une boîte? C'est pas grave, je vais pas bien. Oula, lui il a un gros chapeau lui. Il n'y en a pas beaucoup hein, parce qu'on voit pas la garniture une fois qu'ils sont fermés. Non mais t'es pas suffisamment. Hein. C'est un peu chiche là. Bon bah on va mettre plus. Bah oui parce qu'on regarde, on voit rien en fait. On peut en remettre. Ils peuvent mettre du ketchup à la place. Absolument, mais il y en a qui font des macarons salés. De... Ouais. Oui, avec du foie gras. Avec du foie gras. Tous les trucs maintenant qu'on... Après, il faut aimer. Hein. Du foie gras. Tomate. Ah si, le foie gras. Le problème, c'est qu'avec les macarons... Ouais, mais je trouve que le mélange sucré-salé, il y a trop de sucre. Bah oui, parce que c'est trop de salé. C'est de la nature en foie gras. Ouais, c'est... Il y en a qui mangent bien ça avec mais bon, ils doivent peut-être, je sais pas, j'ai pas goûté ceux de la durée, ils doivent baisser le sucre dans le macaron quand même. Moi, il va être bien de celui-là. Celui-là, il a un petit chapeau un petit peu cassé. Mmh.
Non, faut le garder pour emporter. Ah. Bah oui. Il en reste 4 là. Ah, ça va bien prendre. Alors, je fais la prochaine fournée, alors, du coup. Celle-là ? Non, non, je vais faire avec... Les roses. Le bleu. D'accord. Tiens, tu en as un petit peu, pas la même texture. Alors, on met ça. Ah, bon, ça nous fait bien... Combien ça fait le macaron, là ? Ça, c'est la première. On ne sait pas si on a mis suffisamment de garniture en fait. Non, même on en est plus, on en est vers une cinquantaine, je pense. On en est où dans les... Ah, plus que ça, qu'est-ce qu'il y a dans le four? Non, moi j'ai mis... Parce que... On les a fait un poil plus petit. Moi je crois 3,5 ou 4. Dans une minute, ça doit être prêt. Ok. Ça y est. Il y en a un qui déborde. On va se servir de ces petits plateaux. Pour les ramener. Très bien. Ah, c'est gentil, je vais les laver. Merci. Pas une. C'est mal parce qu'ils sont durs. Pas pour faire un peu dur. C'est le matin que je pleurais. C'est comme ça, t'as un mal au dos à force d'être penché comme ça. Vous avez commencé à faire des petits... Chacun ? Voilà, une minute. Comme Attends, je vais t'aider. C'est bon, il n'y a plus rien ? Si, il en reste. Bah, il faut mettre là-dessus. Il y en a un peu moins de crème. Mais les roses, ils craquent à 10. Vas-y. Le papier, enfin, tu vois. Là, si tu... Ils ont moins craqué. Un peu moins, mais quand même. C'est bizarre, ça. Puis, juste un ou deux. Oui, en général, c'est toute la fournée qui craquait. Ça, c'est très étrange. Ouais. Il y a un peu trop. Ouais. Dès qu'il y a un plus petit, hop. Ouais. Il cuit plus vite. Et du coup, il va falloir en fait. Bon, bah, faut, le, faut enlever vite le truc de. Parce que ça continue à cuire là. Ah non. Je sais pas. Voilà. Voilà. D'accord. Bon, on va être un peu plus généreux sur la framboise là, sur le. Je vais refroidir, sinon ça va coller au papier. Ouais. Il y en a plus, là. Il y a encore un peu. Il y a encore une fournée. Ce qui veut dire que peut-être qu'il faut en mettre quand même encore un peu plus. Oui, moi j'ai l'impression que là-bas, c'est pour le chocolat, c'est en mieux. La garniture, mais on peut en mettre. Hein. Ouais, là, c'est sur un peu comme ça, plus haut, après, on achète certains. Ça, là, on peut en mettre. Ouais, c'est une promo, ça. Je peux ressortir ceux qui ne sont pas très fournis. Hein. Bah ouais, hein. Allez-y. Y a tous les autres. Peut-être pas tous, ceux qui sont... Bah, ceux-là, ils sont pas très plats. Ceux-là, ils sont pas très fournis. Oui, ça sent brûlé. Ah oui, ça sent brûlé. C'est pas encore. Non, c'est pas une plaque. Ouais, c'est trois là. J'éteins là, c'est fini. Non, il y en a encore. Pardon. Tu mets que sur un à côté, alors je veux. Bon, je suis là en tête. Pourquoi c'est plus liquide que tout à l'heure? J'ai l'impression chaud. Celui-là, il est un peu plein aussi. Celui-là, il est. Voilà, celui-là, il est blanc. Mais on aura assez pour refaire la deuxième fournée. Ouais. Oh, je pense.
Voilà. Celui-là, il est très très plat. Celui-là aussi. Celui-là. Voilà, on peut commencer à en répartir dans les petits récipients. Celui-là, il mérite encore un peu. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous regardez ici. Bon, je pense que c'est bon entre chocolat après. C'est... Oui. À la cuisson, quand même, ils perdent un peu leur couleur. Ouais, moi aussi. C'est le cas. Comment? À la cuisson, ils perdent un peu leur couleur. Ouais, on aurait dû mettre un peu plus de colorant. Hein. Mais bon, moi, comme c'est la première fois que je l'utilisais, je savais que ça s'éclaircissait un peu, mais là, ça s'éclaircit pas mal. Et voilà. Pourquoi il est sale? Ouais, du coup, sans qu'un autre, on va demander ce quoi.